Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi est-ce que tu échoues sur Amazon. De nombreuses personnes veulent se lancer aujourd'hui sur e-commerce et notamment sur Amazon FBA. Beaucoup de personnes y vont sans expérience, sans jamais avoir eu à vendre quelque chose en ligne. Je ne veux pas dire, c'est bien beau, c'est même d'ailleurs ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut entreprendre et le e-commerce c'est le moyen le plus évident, le plus facile pour commencer sa vie d'entrepreneur. Mais sauf que on ne commence pas, on se lance pas en entrepreneuriat pour perdre de l'argent, on se lance pour en gagner. Et donc, de nombreuses personnes se lancent aujourd'hui sur Amazon FBA notamment et très vite se rendre compte que voilà, ils ne gagnent pas d'argent ou bien ils ne réussissent pas tout simplement ou bien ils finissent par dire que non, c'est pas fait pour eux et tout ça et voilà, ils finissent peut-être souvent pas arrêter. Comment est-ce que j'explique cela? Beaucoup de personnes, beaucoup de chaînes là d'ailleurs vous parlent de comment est-ce que c'est facile de gagner de l'argent sur Amazon, comment est-ce que c'est facile de faire des chiffres phénoménaux, des chiffres phénoménaux sur Amazon et tout ça. C'est possible, hein? On vend énormément, on vend beaucoup sur Amazon et tout. Mais le problème, c'est que vous, aujourd'hui, qui venez de vous lancer, vous qui venez aujourd'hui de créer votre propre marque, vous lancer un produit private label, pour moi, c'est pas le bon moyen pour se lancer rapidement sur Amazon. Parce que vous n'avez pas encore cette expérience-là, vous n'avez pas. Il y a beaucoup de domaines, le marketing, comment est-ce que vous allez lancer vos campagnes publicitaires sur Amazon et tout ça. Vous ne maîtrisez pas encore tout ça. Et donc, c'est souvent un peu compliqué. Vous allez dépenser de l'argent là-dedans sans maîtriser. Et souvent, vous pouvez perdre cet argent-là. Alors, pour moi, comment est-ce que vous pouvez très facilement commencer sur Amazon et réussir? Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple de ce produit. Voilà, un produit, c'est un produit de la marque Dyson. C'est une marque assez connue. C'est connu de tous. Ce sont des produits pour le nettoyage et tout. Bref, ce type de produit-là, il y en a assez, il y en a énormément de différentes marques, que ce soit Canon, que ce soit Philips, que ce soit Apple, que ce soit tout genre de marques que vous connaissez. Pour moi, commencer aujourd'hui à vendre en ligne, c'est commencer avec ça, c'est-à-dire commencer avec les produits des grandes marques qui existent déjà et faire que ce soit le retail arbitrage avec des fournisseurs, avec des grands fournisseurs que vous avez. Ou encore tout simplement acheter et revendre. Ça va vous permettre d'acquérir à vos débuts de l'expérience. Ça va vous permettre de gagner en expérience sur Amazon, de comprendre même déjà comment est-ce que la plateforme fonctionne. Et ça sans avoir besoin de beaucoup de connaissances. Sans avoir besoin de connaissances sur le marketing, sans avoir besoin de connaissances sur les diverses choses qu'il faut connaître avant de se lancer sur Amazon. Donc, ça, c'est pour moi le meilleur moyen, la meilleure façon pour se lancer. Avec ça, si vous voyez, par exemple, ce produit, les dimensions sont, elles sortent, les dimensions sont très bonnes pour faire le Amazon FBA, c'est-à-dire pour envoyer chez Amazon et que Amazon fait le store pour vous. Ça va vous permettre déjà de savoir ce qui fonctionne. Parce que lorsque vous allez avoir des produits comme ça, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs autres types de produits de ce genre. Private label, souvent, sont des alternatives, même en fait, des produits de grosses marques aussi. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent c'est aussi. Donc, vous allez pouvoir déterminer ce qui fonctionne pour vous. Vous allez pouvoir dire que voilà, ce type de produit, s'il fonctionne beaucoup mieux pour moi, alors vous pouvez en créer une marque, vous pouvez créer une marque dans le domaine, vous pouvez commencer à vous développer. Mais avant tout cela, vous avez déjà commencé à vendre sur Amazon, vous avez déjà maîtrisé la plateforme, vous savez même déjà comment lister les produits, vous savez déjà un certain nombre de choses. Là, sans prise de tête, sans complication, vraiment, et lister le produit de cette façon-là sera en quelques clics, vous avez le produit sur votre boutique. Mais là, c'est
le moyen sûr, parce que vous avez déjà le produit, vous avez déjà les listings qui existent sur Amazon et vous avez les prix pour votre fournisseur. Vous allez pouvoir fixer le prix sur Amazon et votre prix de vente sur Amazon. Vous n'avez pas de dépenses supplémentaires à faire et c'est pour moi le moyen le plus sûr pour commencer à se faire de l'argent sur Amazon. Je vais continuer avec ces séries de vidéos où je vais vous montrer comment est-ce que ce sera possible. Je vais vous expliquer, je vais vous prouver pourquoi c'est important de commencer par là avant de dire plus tard, ok, là j'ai déjà des types de produits qui fonctionnent, je sais déjà comment tout fonctionne, je sais déjà comment est-ce que Amazon fonctionne en principe et puis vous pouvez lancer votre marque, vous pouvez créer un produit private label et envoyer chez Amazon. Mais à ce moment-là, vous avez déjà commencé à faire de l'argent. Vous faites déjà beaucoup d'argent. Vous faites déjà de l'argent sans vous ruiner, sans avoir dépensé des fortunes sur le marketing et tout ça, sans avoir passé des heures et des heures à chercher le produit et tout ça. Parce que vous savez, il y a ces produits qui sont là. Vous pouvez regarder sur Amazon et voir à combien ce produit-là se vend. Et vous savez aussi quel est le chiffre d'affaires que ce produit spécifique fait par mois sur Amazon. Et là, vous allez très rapidement faire votre choix. Et comme ça, vous pouvez choisir.